Thanks to Sank family, we are still digging and diving in this art world. We are here with Blanchard. Blanchard. Blanchard, parce que, guess what? We're going to speak Kringlish, okay? Mélange créole avec anglais, nous allons ça Kringlish. Blanchard is a sculptor, a sculptist, right? Ouais, c'est Blanchard. Blanchard Josué, qui sorti Haïti, qui vient dans la 5e édition Artbeat Miami, qui accompagné d'une délégation qui sorti directement. Du ministère de la Culture, okay. Et qui, pendant ma profite, salue le ministre de la Culture, Jean-Michel Lapin, et M. Yves Penel, qui est directeur général. Là. Ok, so qualité sculpture au fait, c'est qui qualité? Parce que il y a un bois, il y a un sculpture avec, what is it, ceramic. So... Ok, et bon, c'est dans la même dynamique ça, donc moi je viens participer dans la chose. Ok. Artbeat Miami, nous avons deux sculptures. Et nous sommes venus réaliser sur place. Ah. Ça nous a réalisé sur place là, c'est si vous capable de le visiter là après. Après, nous avons une sculpture qui est exposée dans le show. Okay. Sculpture, ça, c'est une sculpture qui a une renommée internationale. Mais nous voulons porter le Artbeat Miami, nous voulons faire et haïtien qui n'a pas de possibilité à l'Haïti, ou à Samabdoulan pour porter le bail pour vivre. Nice. Elle s'arrête le petit pisseur. C'est un enfant qui fait pipi sans arrêt. Et en Timoun, ça. Sont Timoun qui gon sec l'amène ouais dans l'idée pour promouvoir jouet Timoun qui t'aurait disparaître. Bon, c'est l'idée, c'était ça. Et nous gagne une œuvre qui c'est le résistant. Le résistant, c'est une œuvre et qui mettait en relief tout des gars que le ministère a fait en Haïti dans la question choléra. Ouais, et œuvre ça moi porté encore dans Artbeat Miami de manière en miniature parce que son œuvre qui sont en place publique du côté de Port Salut. Et je profite également de saluer M. Jean-Baptiste parce que c'est en commande, même si sur le plan idéal, sur le plan conceptuel et réalisation, c'est moi-même, mais c'est M. Jean-Baptiste qui t'a commandé des pièces à même pour me réaliser l'œuvre ça, il pour saluer. Et ils sont œuvres qui sont très géants. Et tout Haïtien qui a fait touriste local, bon, c'est là extrêmement important pour nous, Jérémy, pour nous, pour saluer, pour faire connaissance avec œuvre parce que je plus travaille sous place publique, okay. Sous place publique, pardon, et dans l'idée pour me capable valoriser. Et représentons l'autre facette de Haïti. So, non seulement on fait sculpture, mais sculpture, il y a toujours un message derrière. Oui, la majorité de sculpture que je fais, c'est sculpture qui embrasse, capable de réalité, réalité haïtienne. Par exemple, si je prends le petit pisseur, je fais le petit pisseur, je fais Gun Nana. Gun Nana, c'est une autre réalité haïtienne, côté grand monde, depuis l'école, Jean-Paul Creole l'a dit. Quand tu gars mon fin rasoté le pas abaissé ça veut dire juste faut tirer abaissé à couper ton petit après le font besoin on besoin physiologique que tout grand monde fait qui c'est pipi et on peut faire le petit au cerveau là c'était permettre et si monde qui cap lever connia ou pas des possibilités avec jouet longtemps si monde te conduire longtemps pêche osler nous t'ai entamé un projet pour nous te revaloriser les jeux traditionnels et c'est à travers revalorisation ça yo de 2009 à 2005 que me déconse de ba tête moi option ça pour me faire valoir et les gestes et les jeux et haïtiens à travers mes œuvres mais de 2005 jusqu'à aujourd'hui me vienne ba tête mon autre orientation qui c'est travailler dans l'idée pour faire des revendications utiliser art moi utiliser fond intérieur moi à travers travail moi pour me faire pour me parler pour ça pas parler yo oui. parce qu'on n'est pas sans savoir parce qu'en Haïti il y a un paquet de troubles politiques oui. Ouais, sous toute forme et il y a une disparité sociale sous toute forme yeah. Disparité économique disparité éducation disparité l'hôpital santé oui. Toute bagaille ça veut dire son point qui est malade dans toute colle et par rapport avec toute dynamique ça qui c'est premier œuvre de fait, qui c'est le résistant qui pense à lui qui met en relief les dégâts causés par la ministère en Haïti et notamment au départ de la ministère c'est ça notre fait œuvre la représenter symboliquement après gazosement en bas casque bleu à son haïtien qui levait mes doigts en l'air qui mes gauche en l'air les planter drapeau couleur nationale là sur casque bleu à pendant pied gauche là sur casque là et en bas casque là après gazosement monde qui mourit zame son bagage vraiment qui très touchant et débat tête moi pour mission ça après me devine faire et depuis l'homme d'ap nous une deuxième pièce qui c'est le révolutionnaire. Le révolutionnaire, son œuvre, si vous regardez sur les réseaux sociaux, là, après, il y a un petit qui pointe le doigt, qui a un paquet de codes l'amène, ou dans le même, il y a un zam l'amène, et il y a un paquet de panneaux revendicatifs qui dit
Haïti, tout le monde doit avoir la même chance, tout le monde doit avoir le même droit. Le commissaire gouvernement va dans le cimetière pauvre. Ouais, des bagages forts, ouais, ça m'a besoin. Message. Et il y a un paquet de cordes, ouais, ça m'a besoin dans l'idée pour qu'il symbolise la justice et symbolise la torture tout. Parce que dans le temps, on utilise les cordes pour torturer les gens. Et même quand ça, sur le plan symbolique, il y a torturé les pays ici, même utiliser comme ça, qui c'est justice. Parce que je pense que tout pays qui a justice, tout pays côté l'État, nous capable de la justice, bah, le temps, pays ça yo, ou après, il y a plus ou moins un petit équilibre social, même si l'équilibre social va exister de manière générale. Ouais, ça va donner un jeune monde qui est plus intelligent que l'autre, ou un jeune monde qui est plus remet travail que l'autre, ou un jeune monde qui est paresseux. Mais l'État crée un équilibre pour permettre tout le monde. Même chance. Même chance, tout le monde qui travaille, tout le monde qui doit la santé, tout le monde qui doit l'éducation, etc. Bon, c'est le travail que je viens de faire ça. Après, même aujourd'hui, on a Adbit Miami. Je suis tête promission pour me faire une autre œuvre revendicative. Ah, ouais. Moi mais ça. Œuvre revendicative là, après là c'est un petit monde. C'est un petit monde qui vertu de drapeau de couleur nationale là et qui j'ai le bandé avec et drapeau américain et qui est revendicatif qui est contre blanc tout. Ouais. Bon c'est œuvre ça titre sans titre côté que chaque monde qui est venu cap garder œuvre la soir dans les réseaux sociaux là cap titre suivant compréhension parce que c'est ça. OK, so quand nous ca joindre plus d'informations pour nous ca supporter ou commenter parler. Bon pour monde cap garder là et cap écouter information moi sur toutes les réseaux sociaux et ou cap checker moi sur Yahoo et blanchacreation@yahoo.fr et ou cap checker moi sur WhatsApp 3609 38 99 0028 509 38 99 00 28 et wapka jeune moto sur Josué Blanchard 80 Josué Blanchard 80 sur Twitter sur Instagram. OK Blanchard, merci pour ton point avec nous here in 665 TV with the Kringlish. OK 665 TV c'est pour remercier. I'm so proud of you. I'm so proud of the Haitian living off America. I'm so proud of myself because I'm a Haitian. Real yeah, Haitian. Real Haitian. I'm a revolutionary. Yes. So, yeah. I love it, love it. 6 or 5, we'll be back. Okay, thank you.